Le numéro 5, Kim Jana Morivière, nous est présenté par Patrick Arouin, qui nous vient de Herbray, sur la commune de la Loire-Atlantique, avec son petit hippodrome. Magnifique Jim à nouveau, avec une femelle grise, voilà, elle est bel et bien grise comme son père, bien plantée également, cette Kim Jana, Morivière, avec une mère par le très prestigieux Blue Brésil. Allez, marchez avant que ça s'énerve. Oui, Magnifique Jim et le très prestigieux Blue Brésil avec une grand-mère par Apri Knight et une arrière-grand-mère par Yusfou. Quel joli croisement. C'est la famille de Sarisland et Isisland. Oui, on parle bien du même Isisland, le fils de Gentleway, qui a remporté le Grand Cross de Cheltenham cette année. Donc Cheltenham, évidemment. C'était juste avant le drame, bien entendu. C'est-à-dire juste avant le Covid, dernier meeting de Cheltenham. Victoire de Jonathan Plougano en selle, l'entraînement de David Cotin, une victoire extrêmement émouvante. On a tous vécu cassant nos talons devant la télévision. Allez au trot, s'il vous plaît. Et on va aller au trot. Voilà, la famille de Isisland, Pop Island également, Sarisland. Vous pouvez lâcher la foule si vous voulez, pour qu'elle s'exprime plus aisément. Très jolie foule de Magnifique Jim. En fait, c'est une douche de plat hein, à la base. Miss Afrique, Miss Berber, c'était même des chevaux de vitesse. Ou des chevaux de distance intermédiaire, ou des mailleurs comme Miss Berber qui a remporté le prix d'Astarté à l'époque. Une course qui a été changée de nom depuis, mais qui était déjà sur 1600 mètres. Il y a même eu un cheval qui a gagné le contrôle au Japon. Simon de la Morinière, le numéro 5, présenté par Patrick Arouin. Non.